Bonsoir. D'abord, merci beaucoup. Mille merci à vous tous qui nous suivez ici au Congo et à travers le monde. Merci de l'attention toute particulière accordée à l'émission, la première édition des Géopolitiques. Ce rendez-vous qui vous a permis de comprendre comment cette pandémie sévit ici en République démocratique du Congo. Avec ce que nous vous avons révélé ici, un compatriote, Dr Vangou Lutete, qui a été pour nous une révélation et qui est encore là, l'espoir de beaucoup de nos compatriotes par rapport à sa trouvaille. Merci pour les messages de soutien à l'émission, à Télé 50, à ces médecins congolais, professeurs d'université, en même temps responsables d'une clinique. Merci parce que la pandémie qui terrorise le monde, cette maladie créée, on commence à être sûr, par l'homme, qui terrorise l'homme et partout à travers le monde, cette pandémie sera vaincue ici en RDC, comme en Afrique. Même si elle fait effectivement des ravages à travers le monde, notamment aux États-Unis, qui est devenu l'épicentre aujourd'hui, l'Europe, l'Asie, c'est presque fini avec la Chine. Aujourd'hui, nous allons faire le tour d'horizon pour essayer de comprendre comment a évolué cette pandémie depuis Wuhan en Chine jusqu'à aujourd'hui, qui touche l'Afrique pas avec la même ampleur. Comment nous devons, nous Congolais, nous Africains, accueillir les propositions de sortie de cette crise, entendez par là le vaccin. Comment nous pouvons nous organiser, nous Congolais, les officiels congolais, les organisations congolaises, la société civile, la presse congolaise, la nation congolaise, comment peut-elle s'organiser? Les personnalités, les élus, qui a autorité pour engager l'État congolais? Voilà, toutes ces questions, on va les aborder aujourd'hui avec en sus une proposition de solidarité qu'on va mettre en place. J'espère que vous allez y répondre avec spontanéité. J'ai associé, comme la fois dernière, Jérôme Sikana, qui est avec moi. Merci. Et en même temps, un partenaire qui sera avec nous, qui va effectivement proposer cette option de solidarité pour nos compatriotes. Bienvenue à tous. Voici Géopolitique numéro 2. Numéro 2, c'est pour vous expliquer d'abord que coronavirus, c'est un sujet, c'est une arme bactériologique, certes un virus qui terrorise le monde, mais il y a des aspects à la fois géopolitiques, géostratégiques, économiques, avec des conséquences et des retombées sur le plan économique, social, et même politique. Essayons de voir depuis le début comment, jusqu'à aujourd'hui, cette maladie a terrorisé le monde, en commençant par la Chine, les chiffres que nous avons essayé de collecter pour vous. Et juste après, avec Jérôme Sikana, nous allons vous donner palier par palier comment on peut comprendre les enjeux géostratégiques de cette maladie, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur le plan mondial, de la mondialisation, et effectivement, les conséquences sur le plan social dans nos pays en développement. Corona, voici en chiffres et à travers le monde.
Le coronavirus est une maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus qui n'avait encore jamais été identifié chez l'être humain. Apparu pour la toute première fois en Chine l'année dernière, avec comme épicentre la province de Wuhan, le nouveau coronavirus est devenu depuis une pandémie et en fait le tour du monde en quelques mois au point de poser les genoux des grandes puissances à terre. Le président américain Donald Trump, qui au départ avait été assez moqueur par rapport à ce qu'il continue d'appeler les virus chinois, est en train de subir d'énormes dégâts malgré tous les efforts déployés sur terrain. L'on compte au 3 avril plus de 250 000 cas, comme ce n'est le cas pour aucun pays depuis le début de la pandémie. En Europe, rien ne va non plus. La progression rapide de la pandémie a mis bouche bée le monde entier quand on connaît les fameuses prouesses du système sanitaire dans le continent. L'Espagne et l'Italie se disputent au quotidien la première place du pire pays du continent face à cette crise sanitaire, avec ensemble près de 30 000 morts sur plus de 300 000 cas. Impressionnant, l'on compte encore des pays où aucun cas de guérison n'a été enregistré, alors que les pays comptent plus de 10 000 cas positifs. La Chine, où tout a commencé, s'évade peu à peu du top 5 des pays les plus inquiétés pour le moment, juste devant la France, où malgré les mesures prises par les dirigeants, le pays reste dans une situation chaotique, enregistrant au quotidien des centaines de morts. Malgré des liens très étroits entre l'Afrique et la Chine, on le sait, il n'y a officiellement que 3 cas à ce stade, un en Égypte, un en Algérie, un en Nigeria. Comment comprendre ces chiffres? Est-ce que l'Afrique est vraiment épargnée? Je peux vous dire que c'est peut-être le plus grand mystère actuel de la surveillance de cette épidémie. À vrai dire, on ne comprend pas, on n'a pas d'explication. Y a-t-il déjà des cas qu'on n'a pas vus? C'est possible, mais il n'y a sûrement pas une énorme épidémie en ce moment, parce que celle-là, elle se verrait. Les raisons pour lesquelles, en premier, dit il faut absolument se préparer à cette épidémie, c'est peut-être dans 8 jours qu'elle va éclater. La grande surprise reste jusqu'à présent l'Afrique, que la pandémie n'a rejoint que très tardivement et qui résiste naturellement assez bien à cette vague. Il faudrait descendre très bas dans le classement des pays en difficulté avant de croiser l'Afrique du Sud, qui n'enregistre que 5 décès sur les 1500 cas positifs. Au total dans le monde, l'on enregistre à ce jour plus d'un million de cas positifs pour quelques 60 000 décès. Jérôme Sakana, bienvenue. D'abord, dans cette émission, la fois passée, nous avons commencé à aborder les aspects géostratégiques de cette maladie en expliquant que tout est parti en Chine, des Chines, et que on pensait que, comme le Stras ou d'autres maladies qui se sont produites dans ces pays-là, ça allait s'arrêter en Chine, mais patatras, le monde a vu venir maintenant le corona, l'Europe occidentale, les États-Unis ont commencé par un peu, je dirais, négliger, comme Trump dans ses habitudes, il a botté en touche, non, c'est pas grave, ça va passer. Aujourd'hui, c'est le monde dit, entre guillemets, civilisé, qui est l'épicentre. Les États-Unis, parce que plus de 10 000 morts, l'Europe occidentale. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les pays autant développés, c'est eux qui sont le plus touchés et qui connaissent le plus de morts, débordés par le nombre des malades et des morts? Merci Jean-Marie Kassamba. Je voudrais faire la même chose comme vous. J'ai été envahi par des appels à travers le monde. Et je voudrais sincèrement vous remercier pour ça. C'est ça Télé 50. Avant de répondre à cette question, j'aimerais partager avec les téléspectateurs le résumé de cet ouvrage. Qui s'intitule comment? Le monde en 2030, vu par la CIA. Le monde en 2030, vu par la CIA. Nous sommes en 2020. Avec votre autorisation, je vais lire le résumé. C'est quelques 2 paragraphes, et je souhaiterais que les téléspectateurs nous suivent attentivement. Cet ouvrage est recommandé à tous les politiciens. C'est édité en quelle année? Ça ne date pas de très longtemps, 2013, janvier 2013. Oui. À quoi ressemblera le monde en 2030? Jamais les incertitudes n'auront été si nombreuses. C'est la raison pour laquelle le National Intelligence Council, qui est le centre d'analyse stratégique de la CIA, a synthétisé toutes les informations en sa possession pour dessiner le monde en 2030.
plusieurs grandes tendances apparaissent. La population mondiale atteindra 8,4 milliards d'habitants. L'urbanisation sera croissante, surtout en Afrique. Les classes moyennes se développeront. L'éducation et la santé entraîneront une émancipation des individus. Mais ils auront aussi accès à des technologies plus meurtrières et dévastatrices qui ne seront plus l'apanage des États. La dispersion de la puissance entre les nations sera plus marquée. Le pouvoir sur lequel les États-Unis n'exerceront plus leur hégémonie glissera grâce aux technologies de la communication vers les réseaux. La demande en nourriture, eau, énergie augmentera entre 35 et 50% et de nombreux pays seront confrontés à des pénuries. Enfin, nous vivrons une époque cisaillée par les crises économiques et les conflits. Le monde en 2030 est un document passionnant, scientifique, clair et précis. Il sert de Bible à tous les pouvoirs, gouvernements et décideurs, d'où la nécessité de les lire pour ne pas se faire manipuler par les puissants. Alors, il faut rappeler les titres du livre. Le monde en 2030 vit par la CIA. Alors, je rappelle aussi, vous allez continuer, je vous rappelle aussi qu'il y a une note confidentielle diplomatique éditée par, enfin, publiée par les réseaux diplomatiques français. Oui, je l'ai lu. Cette note présente l'après-corona en Afrique, on appelle ça... Avec des chutes des pouvoirs, des régimes. On prévoit déjà que cette pandémie va faire tomber beaucoup de régimes en Afrique. Et il faut se préparer pour s'orienter vers qui pourra prendre le contrôle de tel ou tel pays pour que la France et les autres puissances puissent s'adapter par rapport à cela. C'est une note d'il y a quelques jours. Oui. Et donc, les gens réfléchissent déjà par rapport aux conséquences, notamment sur le plan social et sur le plan économique de beaucoup de pays qui vont sombrer dans la famine, dans la peur, dans l'incertitude, le manque de contrôle de certains dirigeants de leur population. Voilà, c'est une note qui n'est plus confidentielle parce qu'elle est déjà en ligne. Je repose ma question, Jérôme Sikana. Beaucoup de gens nous suivent. Au-delà de la théorie du complot, au-delà de la science-fiction, on peut dire, voilà, les journalistes rêvent, pensent toujours que les phénomènes naturels, les maladies, tout ceci s'est fabriqué pour brimer les pauvres noirs, etc. Mais quand on regarde ce qu'on appelle la phobie de la population africaine noire qui dominerait, on va dire, le monde bientôt, on a vu Sarkozy revenir là-dessus, on a vu beaucoup des scientifiques revenir là-dessus, l'Afrique, Macron lui-même d'ailleurs, a fait une observation qu'il y avait trop d'enfants, etc. Est-ce que cette maladie n'entre pas dans cette catégorie des réductions, pour ne pas dire des diminutions des populations dites du tiers-monde? En tout cas, si nous regardons l'épiphénomène Covid-19 dans toutes les facettes, nous pouvons répondre par l'affirmative. Vous l'avez dit, c'est une arme bactériologique. C'est vrai, nous commençons à avoir des éléments qui attestent cela. Quand vous lisez ces livres Jean-Marie Kassamba, vous allez comprendre la toute-puissance des multinationales. Et parmi ces multinationales, vous avez les multinationales pharmaceutiques qui sont prêtes à tout. Mais vous avez également la déliquescence des États. Non seulement... Des États qui deviennent impuissants. Très impuissants. Et si le Quai d'Orsay a publié cette étude, c'est tout simplement pour vous dire que ce que les responsables et les dirigeants négligeaient le rattrape, notamment les sociales. Et là, quand je parle de ce que je suis en train de développer comme théorie ici, je ne parle pas seulement de mon pays, la République démocratique du Congo. Le je vois social au l'Afrique. Plan du regardez, continent. Coronavirus confine le monde.
plus d'un milliard de terriens, nous sommes confinés, nous sommes à la maison. Coronavirus déséquilibre les économies. Et la carte économique est en train de changer, de bouger dans tous les sens. Coronavirus nous impose d'autres réalités. Regardez, tout cela qui se faisait soigner en dehors du pays, lorsqu'il y avait des problèmes de santé, en dehors du continent, on a même fait sont venir... avec nous ici. Oui, je voulais juste... Et sont dans les pays où ils sont censés... Et quand on regarde les réactions des Africains, par exemple, les Africains se disent, bon, si on pouvait développer nos infrastructures sanitaires, eh bien, on pourrait résister, on pouvait développer une capacité de résilience sanitaire assez forte. Dieu merci, vous venez de suivre dans l'élément qui vient de passer, même certains analystes se demandent, mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? C'est un miracle ou quoi? Pourquoi il n'y a pas autant de morts? Et voilà pourquoi... Lorsque certains compatriotes évoquent ou proposent à travers les réseaux sociaux, ils disent qu'il ne faut pas que nous acceptions le vaccin. Le vaccin. On en parlera tout à l'heure. Nous ne sommes pas des cobayes. Et effectivement, ce sont les peuples qui refusent, qui vont diriger. Ce sont les peuples qui vont refuser. Peuples, et c'est dit, noir sur blanc. Ce sont les peuples maintenant qui vont diriger. Et seul le peuple peut résister à ces multinationales toutes puissantes qui pensent, par des stratégies machiavéliques, en utilisant des médias très puissants, donc dominer la population, hypnotiser le peuple, créer la psychose pour faire en sorte qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Bon, c'est vrai, nous sommes assis sur de fabuleuses richesses minières que tout le monde veut avoir chez lui. C'est vrai, nous n'avons pas demandé à Dieu de nous faire naître dans cet espace. Nous sommes là parce que nous méritons d'être là. Et ce n'est pas parce que les autres ont développé des armes bactériologiques qui peuvent venir nous imposer quoi que ce soit. Donc je salue, en passant, avant d'aller plus loin, la détermination des Congolais et d'autres Africains qui refusent notamment que nous puissions prier pour des cobayes en ce qui concerne le vaccin. Nous devons ouvrir les yeux et surtout être très vigilants. Et dans cette émission, peut-être nous allons développer d'autres stratégies que nous devons mettre sur pied pour résister. Parce que les multinationales ont déjà les États dans leur poche. Merci y compris aux États-Unis. Absolument. Je dois maintenant... Y compris aux États-Unis. Les grandes puissances sont dans les poches des multinationales. Effectivement, comme vous le savez d'ailleurs, la plupart des guerres que vous voyez à travers le monde, ce ne sont pas les États qui font ces guerres, ce sont des compagnies, soit pétrolières, oui. On a connu ça à Brazzaville, soit au Moyen-Orient, avec les industries industrielles qui fabriquent des armes, qui veulent bien expérimenter ces armes. Et pour expérimenter ces armes, il faut créer des guerres, et ces guerres vont générer de l'argent encore supplémentaire. Et pour leur permettre de faire tout cela, il faut mettre en place des dirigeants qui leur permettent effectivement de se redistribuer les gisements. La situation. J'aimerais vous donner les nouvelles de notre compatriote Vangou, que vous aimez beaucoup, que vous appréciez départ de ces trouvailles, qu'il se porte bien, que nous avons fait ce que nous pouvons pour en tout cas le présenter au grand public et vous montrer de quoi il était capable. Il a été présenté à haut niveau des responsables de notre pays. Nous sommes en train d'attendre le processus qui est en cours pour pouvoir l'aider à concrétiser, c'est-à-dire quoi ? Ben avoir les stocks suffisants de sa molécule et ce qui va avec pour pouvoir guérir nos compatriotes. Il est en sécurité, je peux vous dire que et nous personnellement et lui-même par ces d'autres canaux sont assaillis par des demandes et des coups de fil, etc. Je vous demande en tout cas pour ceux qui nous suivent de le protéger d'une manière ou d'une autre, mais nous savons que il est déjà pris en charge et qu'il sera en sécurité parce que on tue les gens qui trouvent sur les continents. Rappelez-vous quelques exemples. Cheikh Kanta Diop, l'égyptologue, il est parti dans quelles conditions? Rappelez-vous Luruma, docteur Luruma,
Je peux vous en citer suffisamment, eh bien, qui partent parce qu'effectivement, ils trouvent des solutions aux problèmes, eh bien, qui font ombrage à certains intérêts, etc. Donc, notre compatriote se porte bien. Et je lance ici un appel pour d'autres compatriotes qui ont des trouvailles, qui ont aussi des idées pour permettre à cette solution nationale à ces problèmes. Chaque pays doit avoir ses éminences grises qui règlent leurs propres problèmes. Il n'est pas ici question de remettre en cause la commission de riposte, task force, ce que fait le ministère de la Santé. Ça, ce sont les institutions de la République. Mais dans chaque pays, il y a toujours ce qu'on appelle des intelligences, ce qu'on appelle des chercheurs, des institutions privées, des cliniques, des clubs de réflexion, des sociétés, on va dire, savantes. Pourquoi dans notre pays, il y a cette démission? Nous avons lancé l'appel la semaine dernière pour que chaque Congolais, ici ou ailleurs, puisse apporter sa pierre à contribution. Il y a un numéro de téléphone qu'on a mis ici, avec un SMS. Envoyez votre message, on va le lire ici. Ce téléphone, il est aussi ouvert si vous avez des contributions. Pas d'insultes, des contributions pour nous permettre de faire avancer ces débats. Vous êtes le bienvenu d'une manière constructive. Parce que ce pays, comme l'a dit Jérôme Sekana, nous devons le construire ensemble. Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas magicien. Il ne va pas tout faire tout seul. Il a besoin de tous les Congolais. Que ce soit, nous le verrons tout à l'heure, son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, qui vient de mettre à disposition, d'ailleurs on a quelques images là-dessus, on va vous les montrer, un hôpital qu'il avait installé au sud Kivu. Cet hôpital a mis désormais à la disposition de nos compatriotes quelques initiatives, notamment la mise à disposition de la chloroquine, mais aussi pour permettre les produits des terres, des fermes, pour que nos compatriotes puissent en bénéficier. Si chacun peut faire comme lui l'a fait, tant mieux. Rien de politique dans tout cela, c'est de la contribution de chacun d'entre nous. Voilà, donc je voulais vous donner ces nouvelles de Dr Vangou, il se porte bien. Je voulais vous compléter en ce qui concerne le Dr Vangou. Oui. Je pense que le monde entier nous a appelés et nous vous félicitons pour ça, pour le leadership. J'ai échangé effectivement avec lui et il est en protection. Je voudrais vous dire que, outre les États-Unis, qui l'ont même invité et lui, il a refusé, il y a aussi la Corée du Sud. Corée du Sud? Oui. Moi, j'ai parlé avec notre ambassadeur en Corée du Sud et qui insiste. Le gouvernement de Corée du Sud est prêt à pouvoir accompagner notre compatriote. Mais à partir d'ici, parce que je vous signale que vous allez continuer, Jérôme Sekana. Il a sa clinique dégarnie, sans moyens, naturellement. Il a son institut supérieur dégarnie, sans moyens. Un peu de laboratoire. Dans tous les pays, on finance la recherche. On finance, il y a des banques qui prêtent au laboratoire d'analyse, etc. Chez nous, il n'y en a pas. Donc, si effectivement, docteur Vangou, comme d'autres, peuvent bénéficier de ces banquiers congolais ou ceux qui se rapprochent de notre pays, tant mieux, tant mieux. Mais je peux vous dire, il va s'associer naturellement à la commission d'éthique nationale qui doit valider naturellement, mais il faut qu'on enlève de notre tête que tout ce qui peut être pensé chez nous doit toujours avoir les labels OMS, comme si la Chine tout le temps c'est OMS, les États-Unis tout le temps c'est OMS, la France tout le temps c'est OMS. L'OMS c'est l'Organisation mondiale de la santé qui dépend des Nations Unies naturellement, mais chaque pays est souverain, peut prendre ses décisions de sauvegarde pour sa population. Oui, je disais que nous devons croire au génie congolais. Le génie congolais, il est là. Et je voudrais vous dire qu'il y a même certains compatriotes, des avocats, qui se sont déjà ligués et sont prêts à accompagner notre compatriote Vangou pour l'obtention de son brevet. Et il y a beaucoup d'informations quant à ce. Mais je voudrais déplorer ici quelque chose. Parce que j'ai suivi dans certains médias, on dirait qu'il y a des gens qui tirent à boulet rouge sur notre compatriote. Personne n'a déclaré du haut de ce plateau que il a trouvé les médicaments qui doivent sauver le monde et tout ça. Il est à l'étape des recherches, des essais. Mais ces essais, ces recherches-là, ces essais sont concluants.
nous ne pouvons pas nous taire parce que la solution au Covid, à la problématique Covid-19, la solution, elle est mondiale. Elle est multisectorielle. Nous ne pouvons pas attendre seulement que les Américains, les Français... Moi, j'ai vu, et même dans les réseaux sociaux, il y a même des tradis praticiens qui ont trouvé des médicaments. Et ça peut guérir. Il faut... Peut-être qu'il se pose un problème de dose, ou encore il se pose un problème de la procédure, mais il faut croire quand même en l'existence du génie qui peut trouver des solutions. Et pour terminer, oui. Si je peux terminer, pour terminer, il faut que nous comprenions que ne soyons pas trop dépendants de l'Occident. Tout attend de l'Occident. Non. Ne soyons pas trop dépendants de l'Occident. Bien sûr que le parcours, et vous allez voir toutes les grandes pharmacies qui nous ont suivis, parce que les grandes industries pharmaceutiques qui nous ont suivis sont, sont représentées ici, commencent à chercher et tout ça. C'est du business. Et ce sont ces industries pharmaceutiques qui tuent les chercheurs. Voilà pourquoi, nous devons protéger non seulement Dr Vangou, mais aussi tous ceux-là qui peuvent trouver des solutions à ces problèmes. Et il n'y a pas qu'en République démocratique du Congo. Au Nigeria et au Gabon, dans d'autres pays, nous sommes en train d'enregistrer ces gens. Alors, n'étouffons pas notre compatriote. Notre compatriote a fait une démonstration devant témoins. J'ai suivi le ministre de la Santé qui a dit que non, il ne l'a pas encore rencontré. C'est le moment. Je pense que, en tant que patron du département, il est question qu'on puisse l'approcher. Pourquoi pas approcher l'équipe de notre savant Muyembe avec lui pour voir dans quelle mesure nous pouvons trouver des solutions congolaises aux problèmes qui se posent maintenant. Parce que nous ne devons pas réfléchir pour résoudre les problèmes à travers le monde. Nous devons d'abord chercher à protéger les Congolais. Et dans cette quête des solutions aux problèmes qui se posent maintenant en République démocratique du Congo, si nous résolvons les problèmes, pourquoi ne pas exporter aussi notre expertise vers les États-Unis, vers l'Europe aujourd'hui? Vous voyez... Et je dois compléter, Jérôme Sekanak, à l'université officielle de Bukavu. Oui. Moi, j'ai reçu l'information, effectivement, qu'il y a déjà là-bas une possibilité également de trouver une molécule qui guérit. Ensuite, ils fabriquent des respirateurs. À Bukavu. À Bukavu. C'est tout simplement une question de moyens, une question de renforcement de capacités. Mais là, moi, je me pose toujours cette question, et j'ai réfléchi à haute voix avec vous. Où sont ces ONG qui viennent chez nous par dizaines, par centaines? Par centaines. Et d'ailleurs... Et qui s'établissent dans les zones de conflit. Surtout à l'est, là-bas. Voilà. Une fois qu'ils arrivent à Kinshasa, le lendemain, Goma, Bukavu, etc. Depuis qu'il y a eu cette affaire de corona, je n'ai pas vu des ONG nous amener de la chloroquine, nous amener des masques, nous amener des produits pour... Des désinfectants. Aucune ONG. Alors, c'est l'occasion maintenant si de vous... Si ce n'est qu'Angèle Cosmétique oui, et Palmco... c'est l'occasion maintenant de vous poser toujours cette question. Les systèmes des Nations Unies et chez nous, depuis. PNUD, OMS, tous ces gens, ils sont chez nous depuis. Est-ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a déjà convoqué une réunion spéciale sur le Covid? Il y a à ma connaissance. Le secrétaire général est en train de préparer. Non, le secrétaire général, c'est au niveau... Il est au four et au moulin. ...de l'Assemblée générale. C'est au niveau... Mais le Conseil de sécurité, les 5 membres, je me rappelle tout simplement qu'il y a eu une réunion en vidéoconférence de G8, qui sont... etc. Mais personne... Et là, ils disent qu'il faut aider l'Afrique. Comme si c'est seulement l'Afrique qui a des difficultés. Alors, revient la question maintenant, avant qu'on puisse... bon, on suit d'abord. On suit d'abord Dr Muyembe... qui est un scientifique responsable, reconnu et qui a fait un travail formidable dans la lutte contre Ebola. Moi, j'ai toujours dit que je préférais 1000 fois Muyembe que l'autre, là, qui a été plus Nobel, parce que Muyembe, il a travaillé ici chez nous et il a vaincu Ebola. Suivons ce qu'il a donné comme information, qui a fait complètement, non seulement le buzz, mais tollé mondial. Il s'est ravisé juste après. Professeur Muyembe.
vers le mois de juillet, juillet-août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Alors qu'il laissait entendre sur une vidéo que la République démocratique du Congo est favorable à des essais cliniques du vaccin coronavirus sur les Congolais, le professeur Muyembe vient d'indiquer qu'il n'en sera pas ainsi. Après avoir remarqué une forte indignation de la communauté congolaise africaine vis-à-vis de cette pratique. Mon intention en parlant du vaccin COVID-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC sans qu'il soit testé auparavant en Amérique et ailleurs. Selon certaines indiscrétions, il apparaît que la République démocratique du Congo serait choisie comme cobaye du vaccin coronavirus. Et aucun doute n'est plané sur la véracité de la nouvelle révélée par le professeur Jean-Jacques Muyembe. Le grand virologue congolais a bel et bien affirmé que le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis ou en Chine. Il vient de revenir sur sa position avec l'ampleur des publications critiques à son annonce. Le spécialiste congolais a rejoint le train de l'Afrique fier, qui ne veut pas servir de cobaye en s'excusant auprès de la communauté congolaise et africaine. Il s'agit là d'un message fort à l'endroit de certains occidentaux qui, à tort, continuent de considérer l'Afrique comme étant la cantine négligeable ou le moindre continent où la vie ne vaut rien. Ils n'ont qu'à bien se tenir, car l'Afrique est debout et entend jouir de tous les droits qui sont les siens sans interférence. Bien sûr, géopolitique, c'est l'œil sur le monde pour comprendre les enjeux. Et l'enjeu RDC aujourd'hui, c'est aussi l'Afrique. Tollé général, après, c'est lapsus. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il parle bien d'essais cliniques. Peut-être d'une manière restreinte, en laboratoire, scientifiquement, etc. Mais la phrase de trop, c'est la RDC est candidate. La RDC pourrait être parmi. Est-ce que, Jérôme Sekana, vous l'avez dit tout à l'heure, ces enjeux financiers, ces industries pharmaceutiques à travers le monde, il y a même, j'ai lu ça, il y a même des sociétés de réassurance, des fonds de pension qui spéculent sur des calamités, sur des épidémies, des pandémies comme on vit aujourd'hui. Est-ce que pour de l'argent, on doit sacrifier des âmes? Pourquoi l'éminence de notre pays, l'homme intelligent, le savant, parce qu'il a été même importé en Afrique de l'Ouest lorsqu'il y a Ebola, au Nigeria, ou plutôt Sierra Leone, Guinée, partout là-bas, Muyembe a porté son savoir-faire. Pourquoi il y a cette phrase de trop qui risque de souiller sa carrière si brillante? Vous savez, Jean-Marie Kassamba, vous l'avez dit, c'est un lapsus. Et moi, je peux vous dire que je connais très bien le professeur Muyembe. Un homme pondéré. Moi, je l'ai amené aux États-Unis, dans un laboratoire à New Jersey. Je suis parti avec lui de Kinshasa, Washington, New York, jusqu'à New Jersey. Je vous dis, on devrait faire 2 semaines. D'abord à Washington, voir les éminences grises qui se sont approchées, qui cherchaient à avoir l'audience du docteur Muyembe. J'étais très fier d'être congolais. N'en parlons pas à New York. Et il était prévu que nous puissions travailler avec lui pendant 2 semaines à New Jersey. Mais il était obligé d'interrompre, on devrait changer son billet pour qu'il rentre rapidement parce qu'on avait besoin de lui à Paris. Il y avait des médecins qui devraient avoir leur doctorat et lui, il était le président des jurys. Ce que je vais dire ce soir à nos compatriotes, Muyembe représente une ambulance de luxe, une ambulance sophistiquée qui roule pour nous sauver la vie. On ne tire pas sur une ambulance. Muyembe, il peut avoir des problèmes de communication. Peut-être on doit les coacher. C'est pas un professionnel, l'école. Scientifique. On peut faire un casting pour lui. Mais on ne peut pas se permettre d'insulter le docteur Muyembe. Il a fait ses preuves pendant des années. Il a sauvé des vies
en ce qui concerne Ebola. Il a même exporté l'expertise congolaise vers l'Afrique de l'Ouest. Voyez, souvenez-vous, quand il y avait Ebola, le Japon l'a honoré. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, le lapsus, c'est fait pour tout le monde. Il peut se tromper. Ce n'est pas son métier, la communication. Ou peut-être qu'il parlait d'une manière scientifique. Voilà. Et il s'est ravisé. Il y a eu ses rétro-pédalages. Et il vous a donné l'information. Il a expliqué les choses. Et il a ajouté, je suis Congolais. Je ne peux pas permettre à ce que mes compatriotes soient transformés en cobayes. Ça dit tout. Donc, de là à dire que Muyembe est acheté par le multinational et qu'il ferait le jeu qu'il y avait des multinationales de lui, pour tuer les Congolais, oui. Je ne suis pas d'accord. Et je voudrais vous rassurer, chers compatriotes, parce que je les connais, parce que j'ai travaillé avec lui, je viens de vous expliquer, vous pouvez lui poser la question, il vous dira que je travaille avec lui pour les comptes d'un grand laboratoire à New Jersey, et je sais de quoi je parle, c'est un monsieur, c'est un monument, c'est un scientifique de très haut niveau, nous développons. Cela dit, est-ce qu'il manque des pressions de certaines multinationales, de certains pays, de certaines industries pharmaceutiques pour expérimenter leurs vaccins ici, allant dans le sens de la réduction de population, ce qu'on appelait d'ailleurs, on va le dire, un poison à terme pour diminuer la fertilité des femmes, pour que cette Afrique ne puisse pas avoir une démographie galopante. Ce n'est pas impossible. Les Illuminati, comme vous les connaissez, ils sont nombreux. Il y a ceux qui disent, lorsqu'on dit que il y a un président, je ne vais pas citer les noms ici, qui a eu encore maille à partir avec les Africains quand il disait que les Africains mettent beaucoup d'enfants au monde et tout ça. Et donc vous comprenez que nous avons notre culture. Et bien sûr qu'il y a le modernisme, mais il y a aussi notre culture. Nous ne devons pas nous départir de cette culture lorsque nous sommes en face des problèmes. Comme si j'ai dit la fois passée ici que est-ce que à l'époque de nos arrière-grands-parents qui ont vécu beaucoup plus longtemps que nous, est-ce qu'il y avait des industries pharmaceutiques? Non. C'était la pharmacopée traditionnelle, la médecine traditionnelle, la médecine traditionnelle a des vertus thérapeutiques extraordinaires. D'ailleurs, quand vous réfléchissez, quand vous regardez, la plupart des médicaments modernes que nous avons dans des laboratoires ont quelle source? Ce sont les plantes. Or, les plantes, c'est la pharmacopée, ce sont nos ancêtres connaissaient, avaient un répertoire extraordinaire de plantes. Oui. Donc, on commence déjà culture, par m'envoyer quelques messages que nos compatriotes nous envoient. Et je vais vous laisser continuer. Il faut déjà se préparer, Jérôme Sekana, à nous présenter la solution, parce que les gens qui nous suivent ont besoin de la solution, des initiatives qui permettent à ce qu'ils puissent manifester leur solidarité. Vous savez, il y a beaucoup de détresse en ce moment. Au niveau national, la riposte encore beaucoup de difficultés. Au niveau du ministère de la Santé aussi. La ville de Kinshasa, et on salue le gouverneur Ngobila qui se bat comme un lion dans une ville d'abord criblée de dettes, pas de logistique nécessaire, etc. Il va confiner la commune de la Gombe à partir de ce lundi. Il faut le saluer, il fait du bon travail, sans moyens, il faut le soutenir. Maintenant, il faut que nos compatriotes... Il est très combattu, y compris par les siens. Absolument, absolument. Moi, je les salue, Jean-Claude Ngobila. Maintenant, monsieur le gouverneur. Il faut que vous qui êtes à la maison, participez d'une manière ou d'une autre avec vos contributions, avec vos messages. Mais surtout, l'initiative Jérôme Sekana, là, je vous renvoie la balle. Oui. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui à travers... l'invité qui est sur Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Avant de donner l'initiative, je voudrais vous dire, regardons ce qui se passe à travers l'Afrique. Nous saluons d'abord notre gouvernement. Notre gouvernement a amélioré un peu la communication. Notre gouvernement a commandé 500 lits, des respirateurs qui arrivent et tout ça. C'est bien bon. Mais par rapport à l'ampleur de la pandémie dans notre pays, ce sont des moyens qui sont en deçà des attentes. Il faut prévenir que guérir. Quand nous regardons ce qui se passe à Lagos, les stades sont transformés
un hôpital géant. On déploie la population qui contribue. Même la nourriture est distribuée. Sauf que nous, nous commençons à les faire très mal. Aujourd'hui, j'étais scandalisé de voir que dans la commune de Barombou, je ne sais pas si ça s'est passé également dans d'autres communes, le service social était en train de distribuer la nourriture. On ne peut pas faire les choses de cette manière-là. Il faut un recensement exhaustif des ménages. Il faut identifier les parcelles. Et la nourriture doit être déposée dans des ménages, en tenant compte du nombre des nécessités. Pas des cantines populaires. Non. En tenant compte des effectifs et des ménages qui sont dans la précarité. Ça, c'est une parenthèse que je ferme rapidement. C'est pour cette raison. Nous ne devons pas laisser seulement cette charge au gouvernement. À notre niveau, vous et moi, étant entendu que nous avons travaillé, personnellement j'ai travaillé avec Caritas, avec M. François qui est devant moi ici, Caritas a fait ses preuves. Je vous ai dit ici qu'au mois de décembre, nous avons distribué dans la ville de Kinshasa pour les sinistrés de pluie diluvienne plus de 50 tonnes avec Caritas. 50 tonnes de vivres et non vivres. J'étais étonné de constater qu'ils ont une base de données, ce monsieur que vous voyez là, avec l'ordinateur qu'il a là-bas, il peut vous donner la liste exhaustive des nécessités, de ceux qui sont dans les besoins. Alors, qu'il nous explique un peu le travail qu'a fait Caritas. Si je peux terminer avant, pour que les gens comprennent. Oui. Nous avons également distribué à l'est de la République démocratique du Congo. C'était un don d'Angèle Cosmétique et Palmoco. Nous sommes allés distribuer plus de 100 tonnes de vivres et non vivres et 5 tonnes de médicaments. Nous avons encore utilisé Caritas. Et je vous dis, ils ont des infrastructures et une expertise qui est à la hauteur de la tâche par rapport à cet événement. Voilà pourquoi nous suggérons. Étant entendu que le gouvernement a pris du retard, regardez, il y a des banquiers qui se déplacent, il y a des gens qui viennent voir le Premier ministre, nous donnons, mais il faut ouvrir un compte. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs jours depuis qu'on a le chef de l'État, je dirais une semaine et demie ou deux, depuis que le chef de l'État a déclaré l'état d'urgence, mais le gouvernement, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur n'a pas pu mettre sur pied un cadre. Il y a beaucoup de Congolais qui sont prêts à mettre la main à la poche. Voilà pourquoi, grâce à ces plateaux de l'émission géopolitique, nous avons dit, écoutez, nous ne pouvons pas tout attendre du gouvernement. Il y a des compatriotes qui nous ont contactés, rien qu'en suivant l'émission, qui nous ont dit, moi j'ai ceci, moi je peux donner 100 sacs de riz, moi je peux donner 10 000 $. Alors nous disons, non, nous ce n'est pas notre métier. Comme nous savons très bien que Caritas fait ce travail-là, et Caritas est crédible, voilà la méthodologie. Nous invitons Caritas, il nous dit ce qu'il fait, on va afficher les numéros, l'argent pourra être collecté dans des comptes bien précis. Caritas, comme l'émission se passera presque chaque jour, viendra rendre compte ici. C'est la transparence et, si possible, pour les gens qui ne vont pas requérir l'anonymat, dire que tel a donné autant et l'affectation de cet argent, qu'est-ce qu'on va en faire? Nous avons besoin des respirateurs, nous avons besoin de la nourriture qu'il faut distribuer, nous avons besoin de beaucoup de choses. Donc il faut nous organiser et comme le cadre qui pourrait absorber, recevoir ces dons n'existe pas jusqu'à présent, eh bien nous n'allons pas attendre. Le gouvernement peut-être est en train de réfléchir et ça prend beaucoup de temps. Il est plongé dans un rêve profond. Nous ne l'avons pas. Donc voilà pourquoi nous sommes venus avec M. François. Il peut vous dire ce qu'ils font déjà. Dites-nous un peu, M. François, Caritas, le travail que vous faites et ce que vous pouvez apporter à nos compatriotes dans cette situation. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba, merci de m'avoir invité sur ce plateau de géopolitique. Caritas est une structure de l'Église catholique qui est implantée dans toute la RDC. Caritas est présente dans les 47 diocèses que compte notre pays et chaque province compte une Caritas qui est plus ou moins indépendante, qui travaille pour trois grands volets. Il y a le volet de la santé. Il y a le volet de la solidarité et le partage, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous le service des urgences humanitaires et de la protection des groupes vulnérables, ainsi que le volet du développement durable. Alors, dans le cadre de cette pandémie, c'est plus le volet santé et les volets des urgences humanitaires qui sont mis en œuvre. Il y a le volet santé en termes de réponse sur toutes les questions qui concernent les personnes qui sont
infectés par la maladie. Mais il y a le volet urgence humanitaire et protection des groupes vulnérables, parce qu'il peut y avoir une personne qui est infectée, mais les membres de sa famille sont affectés par cette pandémie. Mmh. Et donc Caritas, en ce moment, peut apporter une réponse dans un volet sanitaire. J'ai entendu mon aîné parler ici de l'expérience du Nigeria. Nous sommes en train même déjà de réfléchir avec la Caritas Belgique en ce sens-là, en trouvant par exemple des formations hospitalières qui aujourd'hui sont laissées dans un état de délabrement. On en a beaucoup qui ne sont oui. pas si on peut aménagées. Le B2M, c'est le bureau diocésain des œuvres médicales de l'archidiocèse de Kinshasa. Mmh. Si on peut réfectionner ces formations hospitalières assez rapidement et les équiper en termes de recevoir les personnes qui pourraient être en détresse oui. pour apporter un appui médical. Mais entre-temps, les services des urgences que nous coordonnons pourraient répondre aux personnes qui sont affectées. Je prends un exemple, la semaine qui s'achève avec son éminence le cardinal Fridolin Mbongo, nous avons apporté déjà une sensibilisation sur les populations de la ville de Kinshasa par rapport à cette pandémie. Nous sommes, avec l'appui de Caritas Autriche, nous avons produit plus de 15 000 flyers et plus de 5 000 affiches grand format A1 et plus de 5 000 affiches format A3 que nos relais communautaires. Par relais communautaire, je veux dire que Caritas a la capillarité de couvrir toute la ville de Kinshasa, parce que dans chaque... Vous avez des connexions. Nous oui, avons des connexions. Dans chaque paroisse, nous avons plus ou moins 20 membres du réseau Caritas qui sont comme une sorte de veille humanitaire. De relais, qui peuvent apporter l'information, je peux dire en temps réel, au niveau du service que je coordonne, pour nous dire que dans tel coin, par exemple, comme a dit Jérôme Sekan avec les pluies diluviennes, pour dire que dans tel coin, autant de ménages ont été sinistrés par telle calamité qui s'est produite. Alors, donc le service est prêt à répondre à cela. Comme je disais, nous avons sensibilisé, mais nous ne sommes pas allés seulement en train de sensibiliser, mais nous avons aussi apporté des vivres et des non-vivres. Et ça, c'est des personnes de bonne volonté qui sont passées par le cardinal. Et comme a dit Jérôme Sekana, Fali ou Poupa notamment, que nous saluons et que nous remercions pour cela. Oui. Et donc, nous voulions, comme a dit Jérôme Sekana, mettre un cadre qui permette à ce que les compatriotes, ici sur place ou d'ailleurs, peuvent se dire, je veux contribuer pour soutenir les compatriotes ici dans le pays, je passe par Caritas et je sais contacter par exemple par RTL Money, par M-Pesa, par Orange Money ou par un compte bancaire, je sais donner et nous organisons dans le service, nous sommes déjà en train de réfléchir parce qu'on a échangé longuement avec Jérôme sur cette question, pour voir comment chaque soir ou chaque deux soirs, nous pouvons venir dire Caritas par les compatriotes d'ici et ailleurs ont mobilisé autant et cela pourra servir soit à acheter pour les hôpitaux que nous sommes en train de penser avec les B2M, relancer rapidement pour pouvoir recevoir les populations qui pourraient être affectées par la maladie, pour dire que nous pouvons acheter tel outil qui servirait au médical, mais aussi, par exemple, par rapport aux populations qui seraient affectées, est-ce qu'il y a des personnes qui auront besoin de food items? Food items, ça veut dire les kits alimentaires ou des kits non alimentaires qui pourraient leur aider. Nous saluons aussi les compatriotes qui font déjà beaucoup d'actions en termes de sensibilisation, en train de doter ci et là dans la ville en désinfectant, en gel cosmétique et tant d'autres. Mais nous voulons à ce que cela puisse être coordonné. Nous savons que nous ciblons quelle partie. Nous irons dans tel coin. Et ça, il faudrait qu'il y ait une structure qui porte l'action et qui sait dire, nous allons par exemple dans la commune X de Kinshasa, Gombe par exemple, nous allons précisément où? Alors, et nous allons faire quoi? Je voulais juste préciser, parce que nous avons énormément d'appels et énormément de messages. On va synthétiser tout ceci parce que je veux que cette émission soit beaucoup plus pédagogique et surtout qu'on explique. Très bien. C'est que Caritas va pouvoir faire en partenariat avec nous, de sorte que cette solidarité que nous cherchons passe naturellement par ces réseaux beaucoup plus sécurisés en termes de fiabilité, mais on va faire intervenir également le ministère des Actions humanitaires, oui. La ville de Kinshasa par exemple, oui, de sorte que ce qui sera fait
qui s'en soit fait en marge, mais en collaboration, sous couvert de l'État aussi, qui puisse valider un peu tout cela. Continuez. Merci beaucoup Jean-Marie. Exactement, ça veut dire que le cadre doit être, comme vous l'avez dit, donc avec la tutelle bien sûr du ministère des Actions Humanitaires et des Affaires Sociales. La ville ne doit pas être mise en marge, parce que nous sommes en train d'œuvrer dans la ville de Kinshasa. Et donc, une commission un peu plus technique avec tous ces... Mais on a un problème d'identification, si vous voulez bien, avec ces comités de riposte, de localisation des gens qui soit ils ont des symptômes mais ils ne savent pas comment faire, soit d'aller chercher des gens chez eux, il y a encore un problème par rapport à cela. Est-ce que vous êtes motorisé, est-ce que vous avez les moyens de communication, par exemple s'ils travaillent avec des compagnies de télécom pour les aider par exemple à ce niveau-là? Comment on peut faire pour les gens qui sont en détresse, parce qu'il y a 3 numéros qui sont proposés aujourd'hui, parfois on appelle... Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, il n'y a personne pour répondre. On va peut-être, Caritas peut mettre un standard qui peut servir aussi des systèmes d'information pour centraliser les données. C'est possible? C'est possible parce que demain, non, lundi, nous allons déjà mettre en place avec la Caritas nationale. Nous avons, nous, Caritas Kinshasa, je peux dire l'opportunité d'œuvrer dans la même ville avec la Caritas nationale. Nous sommes en train de mettre un comité de veille humanitaire. Je vous ai dit que notre capillarité dans la ville de Kinshasa ou dans les autres diocèses nous permet d'arriver même au coin où beaucoup d'autres humanitaires ne peuvent pas arriver. Donc, ce qui permet à ce que, même si les sociétés de télécommunications peuvent s'associer à cette action, mais déjà nos relais communautaires peuvent nous aider en temps réel, je le dis bien en temps réel, nous dire que dans tel coin de la ville de Kinshasa, dans tel quartier, Monsieur François, nous avons un cas, nous avons une situation X et je suis... Et en temps réel, on peut déjà localiser... C'est-à-dire, la plateforme de Caritas peut répercuter l'information au comité de riposte pour localiser les personnes en utilisant cette plateforme. Donc, l'apport de cette plateforme que nous sommes en train de constituer avec nos amis de Caritas, ce n'est pas seulement pour collecter les avoirs, mais c'est pour faciliter la communication. Exactement. Mais également, les données. Et puis voler à ceux qui sont dans la précarité. Regardez, vous avez les chègues, entre guillemets, les enfants de la rue. Les enfants de la rue. Exactement. En France, on les a logés dans des hôtels. Oui. On les a récupérés. Et les nôtres, ils sont où? Déjà qu'ils ne savent plus quoi faire. Et ce sont des vecteurs. Donc, nous avons des hôtels. L'hôtel de ville peut réquisitionner également des hôtels, même dans des quartiers, parce qu'il n'y a plus de fréquentation. C'est fermé. C'est fermé. Donc, on peut loger ces compatriotes-là, les mettre à l'abri, qu'ils se sentent pris en charge par la nation. Donc, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, mais ça sera l'affaire de tous les Congolais. On va confiner Gombe, mais la plupart de ces jeunes gens, ils tournent au marché central. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on va les confiner aussi? Comment on va faire? Non, ils sont abandonnés à leur triste sort. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette stratégie, nous voulons, comme vous l'avez dit, nous travailler avec l'hôtel des villes, mais également avec le ministère des affaires humanitaires, pour que chaque Congolais apporte sa... Ceux qui veulent aller donner peut-être au comité de riposte, ils peuvent le faire. Ceux qui peuvent aller donner au Premier ministre comme ils le font, ils peuvent le faire. Mais il y a quelqu'un qui a un petit 1000 francs. Nous allons prendre les mêmes 1000 francs. Via Caritas. Vous comprenez la différence? Donc nous voulons prendre la masse. Nous voulons que le peuple se prenne en charge, comme disait Mouzé. Et il y a un cadre qui est là, c'est celui que nous sommes en train de construire. Et Caritas, il n'y a pas meilleur que Caritas. Merci beaucoup. Je pense que on a pris tout ce temps pour vous expliquer d'abord le contenu de cette émission. Caritas est avec nous. Nous allons mettre en place cette structure. Il y aura un spot publicitaire qui sera mis en place. Les services vont s'émailler au niveau de la ville, au niveau du gouvernement, etc. L'objectif pour nous, c'est de rassembler tout ce que vous pouvez apporter comme concours, comme moyen pour soulager nos compatriotes. Des respirateurs, des masques, cette chloroquine qu'on n'a pas encore suffisamment pour traiter nos compatriotes. Votre apport, par exemple, auprès de Dr Vangou et d'autres. Donc voilà, c'est un peu cette façon-là d'aider aussi les gouvernants. Comme qui dirait, chacun donne ce qu'il peut. Et je vais terminer cette émission tout à l'heure en vous montrant l'hôpital qui a été mis en place et surtout mis à disposition par l'ancien président de la République, Joseph Kabila.
avec la fondation OLK qui dirige son épouse, à la disposition de nos compatriotes du Sud Kivu à Makobola, cet hôpital de presque 100 lits avec les équipements qui vont avec pour que si effectivement là-bas, même s'il n'y a pas encore peu de cas, qu'il y a des situations, qu'on puisse parer à tout cela. Voilà, c'est un peu cela, notre façon d'apporter les concours à cette guerre que nous menons ici chez nous, en disant non à un vaccin qui nous sera imposé. On ne le dira jamais assez, la RDC n'est pas l'association des cobayes qu'on doit venir ça. Non, le peuple a son mot à dire et surtout l'opinion a également son mot à dire. Portez-vous bien, on se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même combat, le même plaisir et la même détermination. À la fois prochaine. Il s'agit de l'hôpital Sifamaania, très bien équipé avec une capacité de 100 lits et alimenté par une centrale solaire. Ce geste de Joseph Kabila intervient après celui de son épouse, Olive Lembe, une contribution importante dénotant que le président honoraire est aussi très préoccupé par l'ampleur que prend la pandémie dans sa propagation en République démocratique du Congo. S'inscrivant dans la logique de son autorité morale, Joseph Kabila, afin de soutenir les institutions de la République, le FCC, par sa coordination, fait quelques propositions allant dans le sens des réponses concrètes en soutien à l'équipe des ripostes mise en place par le gouvernement de la République. Selon Némi Moulania, il y a la nécessité d'améliorer la stratégie des communications et la sensibilisation de la population en apportant la clarté sur la réalité et la gravité de l'épidémie. Pour le FCC, le mode des contaminations, les phases de l'évolution de l'infection, les complications de la maladie et toutes les mesures de prévention. Deuxièmement, vaincre les réticences de l'opinion publique sur la problématique du confinement à travers un éclairage sur les motivations, le bien fondé et l'objectif du confinement. Le FCC estime que la population congolaise a le droit d'être fixée sur les vertus réelles du confinement. D'après Némi Moulania, l'équipe de la riposte devra encadrer les mesures économiques prises pour qu'elles atteignent effectivement leurs objectifs.